Salut, aujourd'hui je vais te montrer la toile que j'ai faite pour offrir à une personne pour Noël, que j'ai mis donc au pied du sapin. J'ai reçu moi aussi en retour un très beau cadeau qui va me servir pour les porte-clés ou autres que je vais te montrer en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir le cadeau que j'ai eu. Et Jérém, pourquoi t'as encore ton sapin de Noël? Parce que les fêtes c'est pas terminé et en plus je trouve que ça fait joli dans la maison. Et tu comptes l'enlever quand? Je le laisse jusqu'à l'épiphanie. Bah c'est quoi l'épiphanie? Bah regarde dans le dico. Je peux pas, elle l'a bouffé. Comment ça elle l'a bouffé? Bah je sais pas, sinon on regarde sur l'ordinateur, sur Google. Ah l'ordinateur, celui que j'ai mis juste à côté de mon lit. Comment ça, à côté de ton lit? Et sinon, l'ordinateur, tu comptes me le rendre quand? Mais j'y crois pas. Le mec, il dort chez moi, il pique ma femme, il pique mon goûter, et en plus, maintenant, il pique mon ordinateur. Bon, moi, pendant que je règle cette histoire, je te laisse regarder la suite de la vidéo, donc la peinture que j'ai offerte. A tout de suite!
Alors voilà, on y est, comme je t'avais dit en début de vidéo, je vais te montrer un cadeau qui m'a vraiment plu, qui m'a été offert pour Noël. C'est un set de pyrogravure. Donc ça va m'aider pour les porte-clés. Pourquoi pas mettre de la peinture aussi avec. Voilà, un mélange de porte-clés, pyrogravure, de tout ce que j'ai, de matériel pour pouvoir graver. Ça va être un gros mélange, mais je vais pouvoir faire des essais. Et avec ça, je vais pouvoir améliorer mes porte-clés ou autre. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit like. Tu peux t'abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Je te dis à dimanche prochain. Toi aussi, deviens un artiste peintre, car on devient ce que l'on pense.